C'est-à-dire que j'avais un screen d'ici. Ah ouais, j'avoue qu'on voyait pas le dessus du coup, screen d'ici, c'est dommage. Mais il y avait un trou béant là, je vous le jure. De toute façon, il y a les rediffs. Et ensuite, un screen d'ici, on va finir les deux petits toits de là. En très rapide. Hein. Là, ça va être très rapide. Là, ça va être très rapide. Attention, je vois rien. Ah, c'est ça les trous! D'accord! Ah, c'est stylé! Oh putain, j'espère que de l'autre côté ils sont pas éclatés. Oh, si, il y en a un qui est éclaté, je crois. Oh putain. Bonne chance. Voilà, on va refaire ce côté nickel. Rien à foutre. J'ai vu, il n'y a pas les bordures. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est bon. Comment ça, tu mets un pouce rouge parce que je laisse la bordure comme ça? Oh, vraiment? Oh mon dieu! Oh bah merde alors. Oh, je suis en train de faire de la merde. C'est quoi ces toits là, con? Hein? Non! Attends. Non mais. Je veux virer le toit là. Que j'ai mis. Ah merde, j'ai fait une connerie du coup. Attends, vas-y, on va refaire le toit que j'ai mis. Voilà, et on va le supprimer. Attends, vous êtes sérieusement con? Vous avez fait des blocs de. Non, c'est chiant! Enfin, sérieusement con, c'est sérieusement chiant surtout. Et c'est quoi le sens? C'est là où je regarde? Oh là là, vous avez fait le toit comme ça! Attends, allume la lumière! Attends, on voit rien là! Attends, parce que le toit de deux, il est trop haut! Attends! Allume la lumière, vite! Allume-la bien! Allume-la mieux que ça! Attends, c'est chelou ça! Hop, je t'ai dit! Regarde, ça c'est le petit toit, on est d'accord? Ça c'est petit toit et petit toit. Il y a petit toit. Il y a. C'est quoi ce truc? Ok, ouais, il y a des angles et tout. Ok. Et ça, c'est petit toit. C'est petit toit, ça. C'est petit toit. Petit toit. Et là, t'as le big toit de fou. Et t'as le micro-toit. Petit bloc de merde. Et ça. Non, c'est pas ça. Ça. C'est trop grand! Mais pourtant, ça a l'air de rentrer là, regarde. Mais c'est trop. Il y a deux tuiles, trois tuiles. Là, il y a deux tuiles. C'est trop grand! J'hallucine. J'hallucine, c'est avec ça qu'ils ont fait le toit. Vous allez me faire apprendre. Enfin, je vais faire un toit avec ça. Mais comment on fait? On commence du haut? Comment ça marche? Et dans quel sens tu le mets? Aïe! Et puis, faut être un cheater, faut voler, ou ça se passe comment? Hein?
je comprends rien, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, d'accord. J'ai peut-être quelque chose. Ah putain, tu m'enlèves des blocs de mur, bâtard. Non, c'était du toit? Ah, j'en sais rien. Oh là là. Oh, puis tu m'as tordu le truc là. Oh là là. Mais après le dessus, je fais comment? Hein? Et je comprends que dalle. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Hein? Oh là là, j'aurais bien fait une sauvegarde là, putain. Mais comment on part? Dans quel sens? Oh. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir avancé. C'est chelou, non? Attends, parce qu'on peut faire des trucs de fou avec en fait. On peut le mettre, genre... mis trop loin. Non, attends. On peut genre le mettre suspendu au-dessus du vide. Ouais, bon, tu me saoules. Mets-en un au-dessus, là. Alors, et récupère celui-là. Bah ouais, c'est ce que je veux faire. Ok, mais je veux que ce soit ici. Oups. Attends. Ouais, celui-là. Hein. Merde, j'aurais voulu que ce soit plus haut, du coup. Ouais, voilà, c'est bien, ça. Attends, c'est ça. Ok, alors. Mais c'est facile, attends. Eh, c'est trop simple, regarde. Il suffit de faire ça, putain. Faut se mettre, en fait, pour avoir le toit, dans la pente vers toi, il faut que tu ce soit en face de toi. Je saurais même pas l'expliquer. Si tu veux la pente du toit... dans ton sens, il faut que tu sois en face du toit que tu construis. Ouf. T'as compris, tu regardes, c'est, tu poses. Voilà, tu te tais et tu poses. Et tu comprendras. Comme j'ai compris. Enfin, presque. Mais ça, c'est parce qu'il y a ce toit, en fait. Oh, ils ont fait le petit toit avant de faire le grand. Parce que là, comme moi je le fais, on va dire en manuel, là il va... Attends, ça veut dire qu'on peut faire des toits comme ça, accrochés à des toits... Attends, t'es en train de me montrer une mécanique de ouf, là? Oh. Ah oui, il est en train de me montrer... mécanique de ouf qu'il faut comprendre. Ok, donc là il y a un problème avec le fait que j'ai foutu ce toit en premier. Donc, disons que, ok, je suis gentil, ce toit je vais le supprimer, t'as vu? Oh putain. Je suis gentil, je viens de foutre la merde. Donc, maintenant que j'ai foutu la merde, s'il te plaît, tu vas faire comme je veux. Tu vas me dégager toutes ces merdes de bouts de toiture là. Sans virer de bout de mur. De toute façon, si je reste sur toi, tu vires que du toit, on est d'accord. Tu vas pas virer du... Si, il a viré un bout de mur. Ouais, si, il vire du bout de mur. Ok. Bloc de muraille. Ok, bouge pas. Je remets mon bout de mur. Ouais, voilà. Là, je remets mon bout de toit. Ouais, j'ai compris. Et là, je remets mon bout de toit. Attends, parce que je comprends rien, ok. Donc sur ce carré, un bout de toit, sur ce carré, un bout de toit. Sur ce carré, ta mère.
un bout de toit et un bout de toit. Ça, c'est le départ du toit. Ah, voilà, tu vois, je peux meubler là, tellement j'ai compris la mécanique là. Et tu vois, là, je suis en train de faire de la merde. Hop, voilà. À partir de là, ok, là, je continue mon toit. Donc, je pose un bloc là, un bloc sur le bloc là. Ouais, bon, ça fait un peu n'importe quoi parce que c'est un petit carré et que c'est pas compréhensible, mais tu poses, et au bout d'un moment, ça fait le toit. Parce que t'es dans le bon sens, tu regardes dans le bon sens. C'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? T'es encore en train de monter là. Pourquoi? Parce qu'il y a ce bout de toit? Faut vraiment qu'il y ait rien autour de toi? Attends, qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as fait de merde là? Et ça aussi, c'est une merde là? Et ça, tu veux bien le remettre parce que c'est un bout de toit d'ici? Non? Mais là, qu'est-ce que tu fais? Ok, j'ai compris. J'ai compris. C'est simple. Voilà. J'ai encore fait ce toit en trop, quoi. C'est ça que t'essayes de me dire, en fait. Ok, c'est ça qu'il essayait de me dire. D'accord. Ah, ok, c'est ça qu'il me disait. Il me disait, ce toit, il est en trop, je suis en train de me coller à lui. S'il te plaît, enlève-le. Ah! Non, mais c'est bon, quoi. Tu m'as saoulé. Ah, ça y est, le jeu me rend fou comme The Forest. Ça commence. Ça y est, ça commence. Ah, j'ai réussi. Ah, putain, il est cool. Ok, j'ai compris. Avant de mettre les toits, les grands, j'aurais dû mettre le petit. Ça veut dire que là, bah, je vais devoir tout enlever. C'est drôle. Je sais pas si c'est moi que je supporte plus ou si c'est le jeu. Peut-être c'est peut-être le jeu vidéo en général. Donc là, c'était un cran ici. Voilà. Et là, faut que ce soit un cran au-dessus. Oh, beau. Est-ce que je pourrais voir un truc? Ah, ouf! Ouf, je suis sauvé! Je suis sauvé! C'est la mécanique du jeu qui fait ça. Je suis sauvé, j'ai pas mal fait, j'ai bien fait. Parce que ça, c'était d'origine. Ça veut dire que les développeurs, ils ont pas eu le choix d'avoir un toit comme ça. Ça veut dire que ça, c'est exactement pareil que ce qu'il y a ici. Et donc, c'est parfait. C'est même mieux que le truc d'origine. Parce que le truc d'origine, le toit du dessus est tout éclaté. Du coup, on voit pas bien. Attends, putain, la bordure, elle est pas plus haute, là. Oh oh. Après là c'est un peu éclaté, il y a un bout de gravat là, mais... Oh oh. Oh non, je fais de la merde. Ah non, c'est bon. Il y a un bout de poids. Ah non, c'est bon. C'est juste parce que comme il n'y a pas la suite du toit, j'ai l'impression que c'est pas pareil, mais c'est bon. Imagine que là, je suis motivé et que je fais la suite du toit. Waouh, tu vois, mais je vais pas le faire, j'ai pas screen. Oh, c'est trop génial cette excuse. Oh, cool. Non, je vais pas le faire ce soir, on verra. Mais on verra, t'inquiète. On aura le temps de voir pour les toitures. Du coup, là, j'ai pas le choix. On est d'accord. Ouais, bon, là, y a pas de toit de ce côté, du con. Et puis là, de toute façon, c'est quoi? C'est toi, il est tout neuf, il est pas éclaté. Mais il y a une hauteur, là. Il y a comme s'il y avait une brique de hauteur. Ah bah, j'ai la même. J'en ai même deux. Ouais, enfin, deux, là, c'est éclaté, alors... Je suis désolé, moi je me suis fié à la hauteur du toit d'origine, je me suis fié à la hauteur du mur d'origine, donc là je suis bon. C'est juste que le jeu, quand des toits se collent, un toit fait manuellement, il a l'air de faire des fusions cheloues. Donc ok, il n'y a pas de sous, gars, si c'est le jeu qui est comme ça. On verra si ça fait ça sur tous les toits. Si ça fait pas ça sur tous les petits toits, bah c'est que j'ai fait de la merde ici, mais
Du coup, tu dois le supprimer. Parce qu'il faut que je fasse ce petit toit. Et du coup, bah, ça aussi. Après, là, le petit. Ouais, il est complètement éclaté, putain. Bon, vas-y, il est complètement éclaté, je vais le refaire. On n'en parle plus. Genre, je mets celui-là. Comme ça, je le vire. Et donc là, c'est compliqué parce qu'en plus il y a un bout de gravat, mais disons que voilà, voilà, hop, on reprend ça bien, voilà. Ok, d'accord. Ok. C'est très chiant. Ok, j'ai compris. J'ai compris la mécanique, regarde. C'est pas compliqué, hein. C'est casse-couille. Bah, tu poses des échafaudages. Voilà. Alors, comme ça, c'est moins chiant, à ce qu'il paraît. Ah ouais. Oh merde. Mais zut alors. Quel dommage d'être aussi chiant. Les bouts de gravats, on s'en fout, ils vont partir dans le toit. Ah, du coup, tu gênes. Ah, oh, zut alors. Merde, c'est vraiment con, ça. Bon, franchement, hein, j'ai pas envie de t'entendre. Moi, j'aurais voulu entendre une musique de Jet Set Radio, là, tout de suite, maintenant. Bon, j'aurais pas ce que je veux. C'est ça que je cherche. Ah, tu veux vraiment bouffer du Son of the Forest? Ok. Pas de panique. Alors, c'est pas compliqué de faire un toit en manuel. C'est tellement simple. C'est juste très long et chiant. Mais encore, il suffit de mettre un échafaudage et ça va vite. C'est pas génial? Ah, on va avoir un problème. Ouais, exact. Est-ce que c'est la suite du toit qui fait que... Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh bordel. Ah d'accord. Ah ok, ah, bah, c'est bon, c'est tout est normal. C'est la suite du toit qui fait que tout va bien. Oula, toi tu dégages. Ouais non, c'est normal, il y a des petits trous et tout, c'est parce que c'est pas fini. Non, ça, c'est toi, tu dégages. Hop, on met les tuiles de rive. Non, toi, tu dégages. Non, toi, tu dégages. Ok, voilà. Elles sont tordues, les tuiles de rive, c'est normal. Oh, ouais. Ok, et là, du coup, on va savoir ça tout de suite. Est-ce que ça fout de la merde avec la fusion des toits comme ça? Surtout que celui-là, il est censé être ancré à ce niveau-là. Parce qu'il y a le double toit. Ok, ça fait ça. C'est le jeu. C'est le jeu. Pas de panique. Oh putain, j'ai fait une connerie. Aïe! Aïe, attends, j'ai fait une connerie parce que en haut, c'est un enfer à refaire après. Oh ouf. Oh ouf, je suis sauvé. Oh nickel. Range ça avant de faire une connerie. Enlève ça avant que je m'énerve. Bah tu... Ok, et... Hein? Oula, t'as un suicide. Oh. Bah non, c'est moi qui fais une connerie. C'est ça? C'est le mur d'origine, ça? Oh merde!
Ah mais elle se met après la bordure. Attends, je comprends rien. Dis-moi que t'as un autre exemple quelque part que je puisse... c'est tout éclaté ici. Oh. Ah oui, il y a une bordure là. Merde. D'accord. Ah ouais, non mais attends. Dégage de toi. Enfin, dégage de toi. Il y a une bordure... Là. Ah oui, à la limite du toit. Ok. Donc je peux la rajouter après. Ça donne quoi, ta bordure là? Ok, elle s'arrête au niveau de ce mur-là, qui réceptionne le toit, qui est au-dessus. Donc... Après, j'aimerais bien savoir un truc, mais je pourrais pas le savoir. Donc là, ce que le jeu est en train de me dire, en fait, il m'a parlé dans l'oreille là. Ok, il est en train de me dire que... Aïe. D'accord. Il est en train de me dire que, ouais, il y a un mur, mais c'est pas juste au-dessus, c'est pas juste au-dessus du toit, c'est... Je crois que même le toit, il est décalé en fait. Ou alors le toit est incrusté dans le mur. Mais comme c'est un double toit, il y a un des deux toits qui n'est pas incrusté dans le mur. Ou alors le fait qu'il rentre dans le mur, ça donne cette petite bordure là. Eh oui, c'est un creux dans le mur. Ok, c'est-à-dire que ici il y a un mur. Hauteur de l'hôte. Je vois rien avec sa tête. Je vois rien. Je veux savoir si je suis dans le coin. Oh non, il y a de la merde qui ressort. Attends, j'ai pas dit tout à l'heure que ce truc, j'allais pas le refaire, l'espèce de petit truc qui manquait des... où c'était l'autre côté. Parce que là, du coup, c'est ce que je suis en train de faire, je le refais. Hein, c'était ici, hein. Non, je refais pas, là. C'est vite fait, hein. Juste à faire un trou dans le mur, on n'en parle plus. Ok, et donc ouais, ça paraît ok. Un peu ouais, d'accord. Et du coup, le dessous du toit, ok, on verra, mais il va s'accrocher alors que il s'accroche pas en fait. On voit l'exemple parfait, il s'accroche pas ici. Et moi il s'est accroché. Bon, le toit.